shalom. Shalom, shalom. One more time, welcome. Encore une fois, bienvenue à l'Église de Bethariel, que nous sommes toujours en train de vouloir élever le nom du Seigneur, notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen. Et on regarde toujours aussi pour découvrir toutes les facettes à travers sa parole, pour l'adorer encore plus et être en communion fraternelle ensemble. Et joyeuse jour de Jérusalem, parce qu'aujourd'hui c'est la fête de Jérusalem, de la ville. Aujourd'hui il y aura beaucoup de joie et de célébration dans la ville de Jérusalem. C'est un moment important pour tout le peuple d'Israël et aussi pour tous les croyants à travers le monde. Parce que cet endroit porte beaucoup d'histoires et de choses importantes pour le croyant. Vous savez, dans la Bible, 671 fois, on le trouve dans l'Ancien Testament, le mot Jérusalem, et 142 dans le Nouveau Testament, qu'un total de 813 fois dans toute la Bible. Donc, on voit que c'est une ville très importante dans le monde et dans la Bible aussi, bien entendu. Donc, demain, ça va être le 55e anniversaire de la portion de la ville qui a été récupérée, qui est dans l'ancienne partie est de la ville. C'est arrivé le troisième jour de la guerre de six jours en juin 1967. Bien, 3000 ans avant ça, Jérusalem était devenue la capitale d'Israël quand David l'a conquis et en a fait le siège de sa royauté. Ensuite, 586 années plus tard, Israël a perdu la juridiction sur Jérusalem et c'est revenu seulement après 2500 ans, jusqu'en juin 1967, lorsqu'elle est revenue aux mains des autorités juives. Et donc, c'est aujourd'hui parler du nom de Jérusalem, aussitôt qu'on en parle, ça amène un paquet d'émotions et de réactions très fortes, et spécialement pour ceux qui habitent dans ce coin-là. Alors qu'Israël avait, et le peuple juif a gagné la guerre en 1967 et avait repris toute la ville, et bien, ils en ont donné une partie pour le mont du Temple qu'on appelle ou le dôme du rocher qui appartient aux autorités de la Jordanie. Et depuis ce temps-là, la cohabitation entre ces deux religions a toujours été difficile et de plus en plus, on dirait maintenant, parce que les trois religions veulent avoir cet endroit comme leur centre. Le judaïsme, l'islam et la chrétienté de nom qui veut avoir aussi sa place là-bas. Depuis que David avait pris cette ville, elle a été prise et reconstruite et redétruite au-dessus de 17 fois. Elle est assiégée 45 fois et la Bible indique qu'elle va grandir encore, mais ensuite elle va encore être détruite. Et ensuite, va s'élever à être la capitale, non seulement pour Israël, mais où Dieu va établir son royaume dans les temps messianiques. Et c'est pourquoi Jérusalem est tellement important pour tous ceux qui croient en Jésus. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui a marqué la première chute de Jérusalem en 586. Il a appelé avec ce terme, il a appelé ça le temps des gentils. Ça veut dire le temps où Jérusalem a tombé aux mains des gentils, et non pas en tant que de nation indépendante d'Israël, mais c'est aux mains des gentils. Et ça va demeurer comme ça jusqu'à son second retour. Donc, ils sentent, tous les gens sentent que le Messie revient bientôt. Vous savez, ceux qui s'occupent d'administrer le temple, le dôme du rocher, les Jordaniens laissent les musulmans aller visiter et prier à peu près chaque jour, alors que les Juifs n'ont pas le droit de prier là et seulement dans certaines journées et à des temps précis. Donc, on voit que il y a beaucoup de Juifs religieux qui essaient maintenant de vouloir retourner prier là-bas comme ils avaient le droit avant tout ça. Mais ça crée des dissensions et des conflits, ça crée beaucoup de problèmes. Pour ce qui est de cet anniversaire, lorsqu'on regarde les médias israéliens et en considérant la montée des conflits dernièrement, on dirait qu'il va y avoir une tempête parfaite. On va prier pour que ça ne soit pas si pire demain et ce soir.
Vous savez, on regarde toujours cette ville parce que Dieu a dit que dans Ézéchiel, cette ville sera plus tard le centre du monde. Donc pour nous, les croyants, c'est important. Et comme le psaume 122, verset 3 dit, Jérusalem qui est bâtie comme une ville bien unie, eh bien, amen, parce que c'est ce que ça va être à la fin. En passant, Sharon et moi, on va partir en Israël à partir du 12 juin jusqu'au 27, et on va sûrement vous amener beaucoup de souvenirs de ce merveilleux pays et de l'histoire biblique. On va essayer, si possible, de faire une étude biblique un mercredi, si possible, de là-bas. Une autre nouvelle que je voulais vous dire, c'est que le cours va être donné, le cours d'hébreu va être donné par le docteur Michael Gabizon. Oui, j'ai dit docteur parce qu'il vient d'avoir son doctorat. Et il y a juste 2 jours après 5 ans de travail acharné sur ça. Donc, oui, ça vaut un applaudissement avec tout ce travail-là. On a de la misère à l'appeler docteur parce qu'on l'a connu jeune, c'est notre enfant. Mais bonne chance à Michael qui va nous montrer à fin août ou début septembre, on va recommencer les cours d'hébreu et on souhaite que le plus grand personne de gens possible puisse le faire aussi. Donc, écoutez pour la suite, bientôt on va vous tenir au courant de tout ça. Bon, mais avant d'aller dans ce merveilleux livre de Marc, nous allons prier. On va voir dans ce livre le début du ministère de Jésus et je suis très content de parler de ça aujourd'hui. Maintenant, nous allons prier pour nos enfants. Si vos enfants sont avec vous ou s'ils sont loin de vous, priez pour eux, amenez-les près de vous s'ils sont là et prions pour nos enfants. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Blessed be His name, His glorious kingdom is coming and is forever and ever. Heavenly Father, we are here today with open hands and open hearts, lifting up our children to You so that You guide them, strengthen them, and protect them. Help them to come to You for guidance, provision, and protection. May nothing separate them from You. Teach them the way so You lead them closer to You. Help them to keep their hearts pure and the Bible. All of this, we pray that the name of the one sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. Amen and amen. And together with the Et ensemble, prions pour, avant d'ouvrir les Écritures. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité, qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné les Écritures. Alors, ouvrons nos Bibles, Marc chapitre 1 toujours. Jusqu'à maintenant, dans les premiers versets, on a beaucoup d'informations. On a le témoignage des Écritures qui nous parle de belles façons concernant la venue du Messie. Il y a des citations de Isaïe, Malachie et avec les paroles aussi de Jean le Baptiste qui dans le fond, incorpore, si on veut, tous les prophètes et tout le témoignage des anciennes écritures de l'Ancien Testament, je veux dire, et avec tout ça, on voit le témoignage de Dieu lui-même dans toute sa plénitude. 3 versets, versets 9 à 11, qui a beaucoup d'informations à l'intérieur. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment même où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ses paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » on voit ici, c'est des mots très puissants ici, on voit ici la vitesse, il n'y a pas de détails là-dedans presque. Quand on regarde le baptême de Jésus, contrairement à d'autres évangiles, il n'y a pas de conversation ici entre Jésus et Jean. Jésus arrive, il est baptisé et immédiatement ou aussitôt, on nous amène dans des événements extraordinaires tout de suite après. Donc, on voit ce mot, premièrement, aussitôt, ou immédiatement, c'est dépendant de vos versions, on voit ce mot est mentionné 11 fois seulement dans ce chapitre. Mais alors que les versets sont très courts, ceci est compensé par le choix de mots très puissants de la part de Marc.
Donc nous voyons ici que dès que Jésus sort des eaux, les cieux s'ouvrent, mais c'est pas seulement s'ouvrir, c'est un mot schizo qui veut dire comme diviser par force, de déchirer, de casser en morceaux. Donc le choix de mots de Marc nous amène à considérer tout le ministère même du Messie. Il utilise cette expression seulement deux fois dans son livre. Ici, et quand Jésus a donné son esprit et que le voile du temple s'est ouvert, il s'est déchiré en deux. C'est ce que le texte dit. Donc deux fois, Marc utilise cette expression très forte. Dans Marc 15, 38, il est écrit « Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas ». Donc, on voit que c'est de la part de Dieu qui l'a déchiré d'en haut jusqu'en bas. Ça a commencé du haut vers le bas. Et pour la première fois, la présence de Dieu était ouverte à tous à travers Jésus. Voici l'histoire du salut, de l'offre du salut en un seul mot, dans le fond. Et ce mot fort, « schizo », parle aussi d'une réponse à prière au reste de croyants d'Israël qui avaient hâte de voir le Messie. Regardez dans Ésaïe 64, verset 1, le texte dit « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Donc, on voit tout après ce verset aussi dans Ésaïe, on a une description des temps messianiques et de l'état éternel avec un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et ici, le mot ici, déchiré, c'est le mot kara en hébreu. C'est le même mot du grec schizo qui veut dire de déchirer, mettre en pièces, en morceaux. Exactement comme quand Jacob a déchiré son vêtement quand ils ont dit que son fils Joseph était mort. Genèse 37, verset 34. Mais de déchirer les cieux, c'était seulement l'initiation d'un grand travail, une grande œuvre que Dieu était pour faire, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Messie pour notre propre salut. Bien, on va aller voir ce mot dans la Septante, le mot schizo. Bien, pourquoi ici je parle de la Septante? Rappelons-nous que le peuple juif lisait leur Bible en deux langages différents. Pas tellement l'hébreu, dans ce temps-là, à cause de tout ce qu'il avait vécu et toutes les captivités, mais plutôt en araméen, et en grec. La Bible en araméen qu'on lit en Israël sont appelées les Targum, on en parle souvent, et la traduction grecque de l'hébreu biblique, c'est la Septante qui a été traduite par 70 rabbins, et c'est ce que les juifs de la diaspora lisaient surtout. Donc on voit que ce mot de déchirer, c'est le même mot qui est utilisé lorsque les eaux se sont ouvertes devant Moïse, Exode 14, 21, ou encore quand on parle dans Zacharie 14, 4, que quand Jésus va arriver, il va mettre son pied sur le mont des Oliviers et tout ça va se déchirer, s'ouvrir en morceaux. Et ce qu'on remarque ici, c'est que le mot « ciel », c'est les cieux, en hébreu, c'est au pluriel. Donc, les rabbins se sont rendus compte, ils ont fait un lien avec ce que Salomon a fait, l'immensité du Seigneur. Dans 1 Roi 8, 27, Salomon dit quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Et Paul, dans sa grande humilité, a parlé de lui-même aussi. Il a parlé des trois cieux dans 2 Corinthiens 12, 2. Ça rappelait, il disait, « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, était ravi jusqu'au troisième ciel. » Donc, on voit ici, on se demande pourquoi parler des cieux ici et non pas parler du ciel comme au singulier, comme on le voit souvent dans le Nouveau Testament. Après tout, l'œuvre du Messie fait quoi? Fait ouvrir le ciel pour le croyant. Bien, peut-être qu'on pourrait voir ça, que c'est une genre de préparation pour le grand conflit qui va venir tout après cela et à travers tout l'Évangile, la guerre entre le monde démoniaque
démoniaque, pardon, et Jésus est Dieu lui-même. Le premier ciel parle du premier ciel atmosphérique. Et le dernier ciel parle de la demeure de Dieu. Mais entre les deux, on dirait que c'est là qu'il y a que les démons se promènent, dans le fond, entre les deux. Rappelez-vous qu'en Éphésiens 2:2, l'Esprit de Dieu dit par la bouche de Paul que le malin est appelé comment? Le prince de la puissance de l'air. Et donc, la venue de Jésus sur la terre a créé une grande émotion dans le monde démoniaque. On voit que tout de suite après son baptême et que l'Esprit s'est posé sur lui, tout de suite, il est amené à confronter Satan. Et son premier miracle suite à cela a été un exorcisme. Il a guéri quelqu'un qui était possédé. Donc, on voit ici dans le texte qu'il dit que l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Donc, on voit que de ce qui a été quand même comme bruyant, on pourrait dire, que ça s'est déchiré les cieux, on arrive à quelque chose de calme comme une colombe. Donc, on passe de quelque chose qui les cieux se sont déchirés jusqu'à la douceur d'une colombe. Mais ce qui est nouveau dans Marc, les autres évangiles nous disent que l'Esprit est descendu sur Jésus. Mais le mot « eis » qui a été utilisé par Marc va plus loin que juste les autres mots en grec qui sont « épi », qui veut dire « sur quelqu'un ». Donc, on voit que c'était comme quelque chose de prophétique qui était démontré. Pour la première fois, l'Esprit de Dieu était là pour demeurer dans la personne, et non pas juste sur une personne pour l'utiliser ou faire une œuvre pour le Seigneur pour un certain moment. Donc, c'est comme une façon de nous montrer ce qui va arriver aux croyants plus tard, lorsqu'ils vont croire, c'est que le Saint-Esprit va devenir faire sa demeure en lui, dans le croyant. Avant, dans l'Ancien Testament, on a des bons exemples. Par exemple, sur Bézalel, dans chapitre 35-31, je ne sais pas c'est quel livre, ça peut être Deutéronome, je m'excuse, je n'ai pas la référence. On dit qu'il était rempli de l'Esprit Saint pour avoir de compréhension, pour savoir comment bâtir des choses, faire des choses, il faisait toutes sortes de choses. On a lu aussi à propos de Saül qui a été rempli de l'Esprit et qui a prophétisé, Saül le roi. Et ensuite, on voit dans Nombre 27 comment l'Esprit s'est emparé de Josué. Et c'est ce que Paul dit dans Romains 8:11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc, on voit que deux fois, il nous rappelle que l'Esprit demeure en nous et cette demeure a été inaugurée au baptême même du Messie Jésus-Christ. Donc, on voit que Marc ne nous donne pas toutes les informations, mais il utilise des mots très importants pour nous faire comprendre une chose profonde que le texte dit. Et là, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Le Messie et le Roi Kadesh, l'Esprit de Dieu, ne sont pas seuls. On entend une voix des cieux, ses paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, ou en toi je suis bien heureux de tout ce que j'ai mis en toi. » C'est énorme. Ici, on a Jésus sur terre. L'Esprit et le Père dans le ciel. On a les trois ici. La présence, c'est une prophétie accomplie d'une des plus clairs passages dans l'Ancien Testament qui parle de la pluralité de la divinité de Dieu. Les trois ici qu'on voit dans un autre verset ensemble, c'est dans un chapitre 48 d'Ésaïe, verset 16. Et Ésaïe 48 tombe exactement dans la section où on parle « Qui sera le serviteur de Dieu ?» entre les chapitres 40 et 53 d'Ésaïe.
48:16. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ici, on a le Seigneur, son esprit, et celui qui a été envoyé, le Messie. Donc, on voit ici les trois. On a Ésaïe chapitre 48, dans cinq chapitres plus loin, c'est Ésaïe 53. Donc, celui qui est envoyé meurt pour Israël et le monde entier et est ressuscité par la suite. Donc, on voit que il y a des gens qui disent, c'est à ce moment-là que le prophète a été envoyé par le Seigneur. Mais si on regarde le texte, Ésaïe a déjà été loin dans le chapitre 6. Il a été envoyé, donc, mais le prophète, comme en tant que tel, ne pouvait pas jamais sauver Israël. Et c'est pourquoi que Dieu dit dans ce texte, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc, ça englobe trois passages importants des Écritures. Psaume 2, 7. Quand Dieu dit au Messie, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et ici, dans le Talmud, on voit que le psaume 2, on est d'accord que ça s'applique au Messie. Voici le texte. Au Messie, fils de David, demande-moi quelque chose et je te le donnerai. Alors il a dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Donc, en plus du psaume 2, alors que Dieu dit en toi, j'ai mis toute mon affection, ceci fait comme un écho au même amour qu'on voit pour le fils envers pour le père envers un fils, lorsqu'il est dit dans chapitre 42, verset 1 d'Ésaïe, où Dieu dit au sujet de son serviteur, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Et le chapitre continue pour nous montrer comment le Messie va établir son royaume sur la terre. Il est dit, en toi j'ai mis toute mon affection, qui est très similaire au mot comme « Tu es mon fils bien-aimé » dans Marc. Donc, on voit que les gens, quand ils écoutaient l'évangile de Marc ou ils ont entendu ses paroles, ils ont dû faire vraiment le lien entre ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament et ce qui est en train d'arriver devant leurs yeux. Mais il y a un autre passage très puissant qui est en parallèle, Genèse 22, qu'on appelle le Akeda, quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, qui était un type du Messie à venir. Genèse 22, 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te montrerai. Ici, le langage n'est pas comme d'habitude. Il n'a pas dit ton fils unique. Parce qu'il n'avait un autre fils. Il y avait un autre fils. Il y avait un autre fils qui avait avant lui. Et il y en a eu beaucoup d'autres après lui. Donc, on voit que Isaac, il n'a jamais passé par un sacrifice sur le mont Morija, mais le Messie, oui. Le Messie est le seul qui a été sacrifié à Jérusalem sur le mont Morija. Le Messie est le seul vrai fils bien-aimé de Dieu, car il accomplit tous les prérequis pour notre salut. Le Messie est le seul vrai fils bien-aimé de Dieu, car il accomplit toutes les demandes que Dieu a pour notre salut, parce que son salut, son sacrifice est parfait. Ce qui est frappant, c'est que dans la Septante, ici, dans Genèse 22, 2, au lieu de dire ton unique, celui que tu aimes, il a dit, au lieu de dire ton unique, il a dit celui que tu aimes. Donc, avec ces mots-là, on voit que c'est un lien très fort qui nous montre le Fils ce qu'il ferait. Donc, on voit la progression de la révélation qui est progressive à partir du Messie, à partir de Genèse au Psaume,
au psaume, pardon, jusqu'à Ésaïe et finalement jusqu'à Marc. Et on parle ici dans le texte de fils de Dieu. Bien, quand on regarde qui avait ce titre-là dans les Écritures, il y en avait deux sortes. Premièrement, il y avait Adam. Adam a été appelé dans Luc 4:38, Adam, fils de Dieu. Le deuxième, c'est la nation d'Israël elle-même. Dans Osée, chapitre 11, verset 1, la nation était appelée fils de Dieu. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et hors de l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc on voit ici, on peut se demander, quelle est la relation entre Adam, Israël et Yeshua? Bien, Adam, le fils de Dieu, a manqué dans son obéissance envers Dieu. Les deux n'ont pas réussi à sauver le monde. Israël, le fils de Dieu, lui aussi a failli dans son obéissance envers Dieu. Les deux représentent l'humanité entière et les deux n'ont pas été victorieux. Donc le troisième, le dernier Adam, est venu du ciel. Il n'a pas remplacé Adam, il n'a pas remplacé Israël, mais il est descendu sur terre pour accomplir parfaitement ce que ces deux-là ne pouvaient pas réussir à faire. Donc, il a atteint et réalisé toutes les requis, prérequis de Dieu, toutes les demandes de Dieu parfaitement afin d'offrir un salut parfait. Il l'a fait à travers sa nature sans péché, sa sainteté et sa puissance. Donc, il a sauvé et Adam et Israël, c'est-à-dire le monde entier. Donc, on voit que le premier fois qu'on parle du titre fils de Dieu, on voit que c'est avec ça que Satan va toujours défier Jésus. Dans deux des tentations, commence par les mots « si tu es le fils de Dieu ». Mais Jésus a réussi et nous louons Dieu pour ça. Son triomphe à la tentation a complètement bouleversé le monde démoniaque. On voit dans Marc 3:11 que les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Donc, ils étaient comme obligés de le dire. Quand ils voyaient Jésus, eux autres, ils le reconnaissaient très bien. Mais ça avait déjà été écrit dans Ésaïe 45 et que Philippiens 2:10 nous répète que au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc ça a commencé déjà quand Jésus était sur terre. Avant même la crucifixion, il avait déjà gagné la bataille contre Satan et ses forces démoniaques. Donc, c'est pour nous qu'il a fait tout ça. Je vous donne une histoire très simple. Une fois, quelqu'un a demandé à un petit garçon, « Combien de frères as-tu? » Le petit gars a dit le nombre de ses frères, puis a ajouté « Et un autre au ciel. » Sa mère a dit, « Mais cher fils, tu n'en as pas d'autres frères au ciel. » Mais le petit gars a dit, « Oui, j'en ai un. » Ne m'as-tu pas dit que si Dieu est mon Père, Jésus est le Fils de Dieu, alors il doit être mon frère aussi dans le ciel? Aussi simple que cette histoire soit, il y a tellement de vérité là-dedans. Avez-vous déjà pensé à Jésus comme votre frère au ciel qui est toujours là pour vous aider? Il y a une phrase qui dit par rapport à Jésus qui montre quand Jésus a vu Marie et elle voulait pas le laisser aller, vous savez, quand Jésus il a ressuscité, il dit quoi? Il dit, va voir mes frères et dis-leur que j'ai été envoyé. Je pars vers mon Père et ton Père, et mon Dieu et ton Dieu. Donc, c'est seulement un frère qui pouvait parler comme ça.
Et Jésus, comment il appelle ses disciples maintenant, il dit, va vers les frères. Va vers mes frères. Donc on voit ici que le tout-puissant Fils de Dieu a gagné sur les forces démoniaques et il dit, j'ai gagné, je suis là, je vous accueille pour ceux qui croient en Dieu, en son sacrifice parfait. Et rappelez-vous, Thomas aussi, quand il a mis les mains dans les blessures de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Donc on voit qu'il a reconnu que Jésus était les deux, qu'il était Dieu et en même temps celui qui donne le salut. Et c'est là qu'on arrive au passage important de la tentation. Maintenant, même si c'est très bref, la manière que Marc le raconte, versets 12 et 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. On voit ici une autre fois le mot « immédiatement » ou « aussitôt ». Marc ne perd aucun temps, perd pas de temps. Il ne donne pas beaucoup le temps de prendre notre souffle, pardon, mais il nous amène tout de suite à un grand événement encore. Donc le mot ici qui a poussé Jésus dans le désert, c'est vraiment fort. C'est comme lancer quelqu'un, de l'envoyer rapidement quelqu'un. Donc on voit que Jésus, exactement, sa première œuvre, c'est dans le désert de confronter Satan. Le grec parle de vraiment comme obliger, comme forcer Jésus quasiment à aller dans le désert. Les versions disent souvent l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Donc on voit, c'est comme s'il voulait que Jésus vive ce moment dans le désert avec lui. C'est un peu comme, vous savez, des fois quand on arrive dans une scène d'un film et on se retrouve à vivre avec les acteurs. Donc, c'est comme ça devrait être pour que c'est ce que nous sommes, nous les croyants. On est non pas des spectateurs ou des gens de côté, mais cette expérience dans le désert nous concerne tous parce que nous avons des difficultés, des épreuves et des tentations, des tests. Mais même s'il n'y a pas beaucoup d'informations, ici on a l'essentiel. Premièrement, on nous dit que Marc nous dit que Jésus était là pour 40 jours. Le nombre 40 est un nombre d'épreuves, de tests. Ça nous rappelle les 40 ans d'Israël dans le désert. Donc c'est comme s'il marchait dans les mêmes traces et comme Israël avant d'entrer dans la terre promise. Les deux ont passé à travers le Jourdain. Dans le cas d'Israël, le Jourdain s'est ouvert. Dans le cas de Jésus, les cieux se sont ouverts. Bon, on voit que ça entrait dans une promesse physique, mais avec Jésus, ça entre, avec la foi, on entre dans une promesse spirituelle magnifique. Deuxièmement, on nous parle des bêtes sauvages et des anges. Mais pourquoi pas juste mentionner les bêtes sauvages ici? Pourquoi le mot « bête » et qu'est-ce qui est le rapport avec la tentation? Matthieu, Luc et Jean ne parlent pas de ce mot dans leur évangile. Mais la question, c'est comment est-ce que les bêtes qui sont rares dans le désert pourraient déranger le Messie? Peut-être que le mot, et la réponse est dans le mot lui-même. Le mot bête sauvage en grec, c'est telion. C'est juste un seul mot, mais ça montre quand les forces du mal, ou même de l'Antichrist plus tard, comme étant la bête sauvage qui sort de la mer, Apocalypse 13.1 ou Apocalypse 11.7, on parle de la bête sauvage qui sort de l'abysse. Les versions ne disent pas toujours sauvage, mais c'est l'idée du grec. Donc,
les gens qui étaient familiers avec les Écritures et qui ont entendu Marc prêcher ou encore dans qui ont lu ces Écritures ont vu que ça correspondait avec Ésaïe 13 où est-ce qu'il y a des démons dans le désert. Donc on voit ça devait être une immense bataille spirituelle. Mais on sait que quand Jésus est arrivé pour remplir les promesses, le monde démoniaque a dû être très bouleversé et de tout faire pour essayer de l'empêcher, comme on voit très bien dans les évangiles. Mais on voit que Jésus, bien sûr, a gagné la bataille pour toute l'éternité et a passé à travers toutes ces difficultés. Bien, ça ne nous dit pas pourquoi Jésus a pris trois citations du livre du Deutéronome. Pourquoi ça ne nous est pas dit? Bien, à travers la brièveté de l'histoire, il nous a amené vers un autre livre de la Torah, c'est le livre du Lévitique, pour faire une image très forte, parce qu'il y a une histoire très semblable où est-ce que le mal prend tous les péchés d'Israël, et c'est une histoire très courte, et on dirait que c'est pas tout expliqué non plus dans le texte de Lévitique 16, versets 21 à 27, à 22, pardon, 21 et 22. Dans cette histoire, on voit que sur ce bouc, tous les péchés, toutes les transgressions d'Israël seront sur sa tête. 21-22. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Mais c'est tout ce qu'on nous dit. Or, tous les péchés d'Israël sont mis sur sa tête. Donc, là, ensuite, le bouc s'en va à Azazel et l'histoire s'arrête là, juste exactement comme dans Marc. C'est dans la brièveté de cette histoire de Marc qu'on voit une confrontation cruciale avec Azazel qui est faite à chaque jour du pardon, qui est le jour du pardon, le Yom Kippour. La tentation, ensuite, doit concorder avec le dernier jour du pardon quand le Messie confronte Satan, où est-ce qu'on le nomme? Satan est le mot anglais d'un mot grec et d'un mot hébreu qui veut dire adversaire. Satan veut surtout dire adversaire. Mais on voit que dans Marc 1, dans Lévitique, il y a 31 mots en hébreu et Marc 31 mots en grec. Peut-être pour nous rappeler qu'il y avait 31 nations présentes dans la terre promise quand Josué a commencé à le conquérir. Josué 12, 24. 31 fois, Josué, qui est, en fait, c'est le même nom que Jésus, a dû combattre dans le pays et de soumettre un roi après l'autre. 31 fois comme ça, qu'il a transformé ce désert en une terre promise. Et le nombre 31, dans sa valeur numérique, et le nom de Dieu, El, donc Aleph pour 1 et Lamed, la lettre L, pour 30. Donc on voit que c'est lui qui a été envoyé, ce Dieu puissant, puissance de Dieu, qui a été envoyé pour confronter et battre le malin. Donc on voit ici que Marc a dit qu'il s'en allait dans le désert pour confondre Satan. Donc on voit que les deux histoires sont courtes et qui ont rapport à confronter l'Azazel ou le bouc qui est allé pour porter tout le péché du peuple et le porter sur lui comme Jésus, c'est ce que Jésus a fait.
Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la belle histoire du baptême et la tentation de Jésus? Bien, il y a des bonnes nouvelles en arrière de ce texte. Jésus est allé dans le désert pour nous, afin de confronter Satan. Et ce qui nous réconforte, c'est que le texte d'Hébreux 4:15 nous dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché. Donc, il est devenu pour nous un refuge, un endroit où se réfugier, où aller, parce que Jésus comprend notre faiblesse. Pourquoi? Parce que lui aussi, dans son côté humain, a été tenté, tout comme nous. Donc, le mot ici vient du grec « sympathéo », qui veut dire d'avoir de la sympathie, d'avoir une grande compassion pour quelqu'un d'autre. Et ça décrit que quelqu'un qui s'intéresse aux besoins des gens aussi. Parce que après la tentation, il y a quelque chose qui a changé après l'expérience que Jésus a passée à travers. Quand il a été tenté, le but de Satan, c'était de le détruire. C'est ce que le mot traduit « tenter » ici veut dire. Le terme en grec, c'est quand on essaie de trouver une faute chez quelqu'un afin de la rejeter, cette personne-là. Mais il n'a pas pu trouver rien de mal en Jésus, donc ça n'a pas fonctionné. Rappelons-nous que la tentation elle-même n'est pas un péché. Mais y succomber, chuter, c'en est un péché. Donc, c'est pas la tentation elle-même qui est un péché. Toujours, ça arrive les épreuves, les difficultés. Surtout quand on veut aimer le Seigneur, quand on veut servir le Seigneur, rappelez-vous, vous allez avoir beaucoup d'opposition. Rappelez-vous qu'aussitôt que David a été roi d'Israël, il a été poursuivi par Saül et pendant 10 longues années. Mais dans ces années-là, tout ce qu'il a vécu, même s'il n'a pas été parfait, on sait très bien la vie de David, mais on voit qu'il a compris des choses dans toutes les difficultés, les épreuves qu'il a eues, et on voit ça dans plusieurs psaumes qu'il a écrits suite à ça. Donc, le mot grec, c'est pour se tester, c'est dokimazo, comme on utilise souvent en bijouterie, alors qu'on prend un alliage qui va brûler pour laisser la place au métal, ou aux pierres précieuses elles-mêmes, à l'or ou à l'argent. Donc, c'est métal en extra. Ils sont là pour, dans le fond, comme un support, mais après ça, la pureté sort de tout ça. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 11, dans la scène du Seigneur, de s'examiner soi-même, c'est le même mot. Donc, les croyants, c'est car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est un titre de fils de Dieu qui nous a été donné par la foi, par Jésus-Christ lui-même, qui a vaincu pour nous la seule et unique bataille qu'on ne pouvait jamais pouvoir gagner nous-mêmes. Il y a un livre de C.S. Lewis qui s'appelle Traduction libre, Le Lion, La Sorcière et et la Garde-robe, on pourrait dire, le premier endroit que le lion Aslan, qui est un type du Messie, va après la résurrection, c'est qu'il va sauver la sorcière blanche et ensuite il souffle sur les statues et qu'ils deviennent des êtres vivants. Donc c'est un peu la même chose. Jésus va transformer des gens qui sont morts spirituellement en des gens vivants merveilleux et qui vont pouvoir parler de la parole alentour en hébreu comme en grec et dans tout. C'est ce que nous devons faire, car Dieu a déjà gagné la bataille pour nous. Alors prions. Marquez-nous, our Father, our King, you've made us your children, and this is great. And now that we are your sons, Lord, and now that your Son also has paved the way for us, and so, Lord, make us ready and willing to be sent as well. Be now among us and teach us how we can keep your word and follow you every day, every hour, every minute of our lives. Help us to realize your full presence so that we can do this work, Heavenly Father. As for the many temptations around,
Amen. Remind us today of those old and sturdy words in Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with all its swelling. Lord, remind us to be still and know that you are God. Remind us that the Lord of hosts is with us, the God of Jacob, who is our refuge. And for those here, Lord, those here who are present, those who are listening today, needing this very present help in trouble, I ask that you display yourself to them, dislodge fear from there, and undertake for them, multiply grace and peace unto them, and may the evil one be soon crushed under their feet. We pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all. You can go and read and reread Mark. You'll never end up reading it, by the way. It's really a great passage.